à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de coaching avec Wasabi Sport. Donc c'est des séances de coaching qui sont à la maison. Vous n'avez pas besoin de matériel aujourd'hui à part un coussin. Juste un coussin que vous avez dans votre lit ou sur votre canapé. Aujourd'hui on est sur une séance abdo-gainage, totalement axée sur la sangle abdominale. Vous allez voir, c'est un peu différent du format d'habitude. Il n'y a pas tant d'arrêt, de récup ou autant d'efforts. Ça va être des nombres de répétitions, un peu de secondes. Enfin, ouais, voilà, on verra. Ça, on vous dira de toute façon au niveau du gainage et tout ça pendant les séances. Juste petit rappel par rapport à la séance d'hier. Donc, elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Au niveau de la qualité de la vidéo, vu que sur YouTube, ils veulent que des ordinateurs, ça filme pas terrible. Donc, du coup, on a filmé avec un iPad et on vous remettra la séance avec l'iPad sur YouTube pour que ça soit vraiment net, HD et puis avec un bon son. Parce que c'est vrai que sur YouTube, ça rend pas trop bien. Sur Insta, Facebook, n'hésitez pas à mettre des likes ou des pouces pour nous soutenir ou des petits commentaires, surtout sur Facebook parce qu'on pourra les voir. Sur Insta, les commentaires que vous mettez, on les verra pas après. Mais vous pouvez en mettre quand même parce qu'on les reverra. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc on va faire un petit échauffement pour commencer. Et voilà. J'espère que tout le monde va bien quand même. Bah bien sûr. Tout le monde a passé une bonne journée. On attaque. Allez, donc on va attaquer sur un petit échauffement. Donc petite montée de genoux vraiment légère. Juste pour dire de se chauffer. Comme sur la séance d'hier. Le but c'est de monter en température progressivement. Donc sachant qu'on est surtout sur les abdos aujourd'hui, que sur les abdos, on ne va pas échauffer le haut du corps. Il reste temps de réchauffer pour les prochaines séances. N'hésitez pas à vous échauffer aussi si vous avez le temps, un petit peu avant, hein. 10-15 minutes avant, vous échauffez tout seul, encore comme vous savez faire. Allez, si je veux bien. Donc là, pour aller échauffer un petit peu le muscle du psoas, on va le solliciter sur les abdos. On va venir faire des fentes avant, on se replace l'autre jambe et on enchaîne. Fente avant, je me replace droit, j'enchaîne l'autre jambe et on enchaîne. Allez, super. Allez, on va sentir un petit peu les courbatures d'hier soir, c'est normal. De ce matin aussi. Mais dis donc, Jamy, tu m'avais pas dit qu'on ferait les jambes aujourd'hui. Putain, c'est pas ça. Allez, soufflez bien. Nickel. Allez, continue. Allez, on va repartir sur des petits sauts. Juste pour dire de bien chauffer. Voilà. Pensez bien à rester gainé au niveau du buste. Tout le temps. Donc, contractez bien. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Allez. Allez, à mon top, on va venir faire un petit passage au sol. Donc c'est un burpee qui se décompose comme on a fait hier. Donc on pose les mains, on ramène les jambes derrière, devant, petit saut et on repart sur des petits sauts dynamiques. Allez, top pour le burpee qui se décompose, on revient, hop. Voilà, on commence à sentir un petit peu les abdos qui chauffent. C'est bien pour le premier bloc. Allez, on enchaîne. Hop, 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 hop. Et on repart. Allez. Allez, soufflez bien. Encore un. Allez, tac, 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 tac. On enchaîne. Voilà. Là, pour une séance abdo-gainage, on fait que 2 minutes 30, 3 minutes d'échauffement. Parce que c'est pas forcément nécessaire de beaucoup s'échauffer sur une séance comme ça. Allez, top, on relâche. Allez, pas de problème. Alors, donc du coup, comme hier, on va venir faire des exercices normaux, on va dire, d'autres un peu plus simplifiés. Ok? Alors, une fois de plus, je ferai les simplifiés. Voilà, je ferai les compliqués. Voilà. Donc, du coup, comme on vous a dit, ce sera un format un peu différent. Donc, du coup, on va démarrer en fait sur des abdos, on va y aller progressivement. C'est-à-dire, on va venir faire un exercice d'abdos, donc on va répéter par exemple 5 fois, 10 fois, et ensuite, du gainage, pendant 30 secondes le gainage. Et ensuite on va enchaîner les abdos, puis au gainage, etc., etc. Donc les abdos c'est 5 fois, puis 10 fois, puis 15 fois, puis 20 fois. D'accord? Et ensuite on redescend en pyramide comme ça.
pour les premiers abdos, vous allez venir me faire. Enfin, Camille va me montrer avec le coussin. On vient se mettre sur les fessiers. Vas-y, explique ce que tu veux. Et donc, abdos coussin, on vient passer le coussin sous une jambe, puis sous l'autre, en remontant comme ça, pendant, on en fait du coup 5. Donc, on dit 5, 1, 2, 3, 4, 5, derrière, 30 secondes de gainage. Tout de suite enchaîné, d'accord? Et ensuite, une fois qu'on a fini 30 secondes de gainage, paf, on repart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc, etc, etc. Ok? Et on fait ça en redescendant. La simplification. Et la simplification, c'est tout bête, vous allez venir me mettre les jambes à 90 degrés, ok? On va venir relever légèrement les épaules, on écarte un petit peu les bras, sans qu'ils touchent le sol, on la relève légèrement, on redescend. Comme ça, ça va vous permettre de suivre le même rythme, 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Donc on vous dira bien, 5 reps, premier exercice, tout de suite enchaîner 30 secondes de gainage, tout de suite direct, 30 secondes de gainage, 15 reps, 30 secondes de gainage, 20 reps, 30 secondes de gainage, et on redescend. Ok? Et ça, dès qu'on a fini, on récupère un petit peu, on passera au bloc suivant. Tout ça. Ready? Allez. Chose, tu mettras en ouais. Allez, vous êtes prêts? On va dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, gainage. Allez, là on passe en 30 secondes. Donc là pour l'instant, gainage statique. C'est que le début, d'accord, on démarre tranquillement. Si ensuite vous voyez que vous êtes large, pas de problème. Vous pouvez venir faire une progressification. Allez, 10 secondes encore à tenir. Soufflez bien. Allez, stop, on est reparti. Donc là, ils sont à moi. 1, 2, 3.
position. Attention, hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Gainage. Allez, enchaîne tout de suite. Sur le gainage, donc là, ça doit commencer à tirer un petit peu. On doit sentir que les abdos commencent à être bien congestionnés. Très bien. Allez. Allez, on s'accroche encore un petit peu.
Allez, top, on switch tout de suite, abdos, couche pied. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, change de sens sur le gainage. De l'autre côté, hop, et c'est parti. Allez, on s'accroche, on essaye de bien serrer les abdos. Allez, reste encore 15 secondes. Pour ceux pour qui ça va pas le gainage comme je fais, évidemment vous pourrez rester simplement statique. Et après vous pouvez même chercher à vous mettre sur le canapé par exemple pour surélever un petit peu ou sur une chaise. Allez, top, on switch. Les 15 rêves. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, on repart sur le côté droit. Allez, on enchaîne si ça va. Petite rotation. Allez. Ça va à la maison? Ça se passe bien? On espère, on espère. Ouais.
Qu'est-ce que vous racontez de beau? On rapproche nos gros pif. Ouais, nos gros mystères. Ouh là 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 là, je casse le. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est sur une séance abdo-gainage. Là, on est sur la récup. Que des exercices d'abdo-gainage enchaînés. Et on est sur du 5 répétitions, 30 secondes de gainage. 10 répétitions, 30 secondes de gainage. 15 répétitions, 30 secondes de gainage. 20 répétitions, 30 secondes de gainage. Et on fait le sens inverse comme une pyramide. Ceux qui connaissent, et c'est tout. Et du coup, sur plusieurs exercices. Alors, on va attaquer le troisième bloc. Ouais, il y a bloc. Ouais, troisième bloc. Alors, vous pouvez bien, vous faites un petit coup. Oui, prenez le temps, bien. On n'est pas pressé, on commence à la fin de journée. Alors, du coup, maintenant, on partira sur des abdos en battement. Alors, on restera toujours sur cette idée de 5, 10, 15, 20. Ok ? Abdos en battement, classique. Hop. Donc, on viendra chercher. Les deux jambes, ça fera 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Donc, on restera sur les abdos battements classiques comme ça. Normalement, ça devrait aller à peu près pour tout le monde sur cet exercice-là. Si vraiment vous voyez que ça ne va pas du tout, vous venez vous allonger sur le dos. On gardera les jambes pareil à 90 degrés. On vient poser les mains au sol pour s'équilibrer. Et là, on va venir simplement, au lieu de faire des battements, chercher à ramener vers soi. Donc, 1, tac. 2, etc, etc. Même si vous allez plus lentement, c'est pas grave. Ok ? Voilà. Tant pis, on suivra après Camille au niveau des battements. Même s'il va plus vite, tant pis. Mais au moins, vous protégez votre dos. Et oui, j'ai oublié. Et du coup, derrière, 30 secondes de gainage. Alors, moi, la variable complexifiante, c'est on va faire un gainage commando. Donc, on est sur les coudes, on vient monter sur les mains, redescendre sur les coudes, je remonte sur les mains, je redescends sur les coudes. On fait comme ça, on monte, tac. Tac, 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 on enchaîne, hop, 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 hop. On essaie de monter avec une main sur un côté, puis après l'autre main. Variable simplifiante, gainage traditionnel, classique, sur les avant-bras, comme au début. Exactement. Okay. C'est tout bon pour vous? Vous êtes chaud? Allez, on se met en place. Donc 5 rêves, 30 secondes de gainage. Allez, attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. 4, 5. Allez, je me place sur le gainage de mon dos. Top, c'est parti. Allez, on commence à bien pousser avec la paume de main au sol. Il est beau quand il s'active. Allez, top, ensuite. Abdo-battement, 6 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ménage commando. Allez, on se replace dans un jeu. Je viens pousser avec une main puis l'autre pour pas partir trop sur le côté. Allez, un petit peu. Allez, top, on fiche. 15 répétitions sur les mains. On enchaîne. Allez, attention. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On enchaîne sur le gainage commando 30 secondes. Allez. Thank you.
17, 18, 19, 20. On repart sur le gainage commando. 30 secondes. Allez, go. Allez, normal si ça boule. Les abdos, il ne faut pas s'arrêter quand ça commence à rouler. Il faut continuer justement quand ça commence. Allez. Allez, accrochez-vous là. Allez, top de suite. 15 répétitions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, enchaîne. Bien sûr, si ça ne va pas, repartez sur l'exercice. Donc, nous là. Allez, t'es fort. Allez, ce qu'il faut, c'est tenir jusqu'au bout. Voilà, même si on s'agit, on le tient. Allez. Allez, top, on switch. 10 répétitions. Allez, je pars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne sur le gainage commando, gainage classique. Allez, go. Allez, vous prenez un. Bien sur la tempe au niveau de la main, d'accord, on va pas chercher derrière,
un peu ouvert, le coude ouvert, et ensuite on va venir chercher, tac, le genou. C'est pas grave si vous touchez pas trop le genou, hein, d'accord. On relève légèrement au niveau des épaules, ok. Et ça, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc 5 d'un côté et 5 de l'autre, 30 secondes de montée de timber. C'est ça. Et on enchaîne comme ça jusqu'à la fin. Et après, ça sera bon pour aujourd'hui en ce qui concerne les abdos. Demain, on sera sur le pas. Les montées de timber, si vous voyez que vous n'arrivez pas à tenir un rythme, d'accord, assez dynamique comme Cam, c'est pas grave, prenez votre temps, d'accord, faites-le bien propre, le bassin toujours, on va dire, assez bas, d'accord, pas trop haut. On contracte bien, on prend le temps. Chacun son rythme. Allez, on se met en place. Et on part dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti sur les bouquets de type. Donc là, on se place bien, main au sol. Et on va venir par la gauche. Là, je comprends, en fait, c'est 30 secondes. Ouais. Allez, soufflez bien. On essaye d'avoir un dos bien rond. Serrez vos abdos. Et on ramène les jambes l'une après l'autre. Comme on a fait hier. Allez. Pour ceux qui disent. Allez, ça tient. Encore un petit peu. Top, on suit. Donc là, 10 répétitions par côté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On chante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on fait le dribble. Allez, on part pour 30 secondes, c'est parti. Allez, on souffle bien. Voilà, tu regardes toujours bien les épaules au-dessus des mains. D'accord, sans bien trop s'éloigner comme ça. Ok. Et pour ceux qui demanderaient, vous pouvez venir chercher un peu en oblique, d'accord, en latéral comme ça. Allez, 2 fois, 15 répétitions. Allez, on tente de se placer. Stop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on chante. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 secondes de mon calcul. Allez, on en place, top, c'est parti. Allez, toujours pareil, on sert les abdos, on souffle bien. Allez, la série la plus longue. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, top, on touche, montagne climber. Allez, vous mettez 3, 2, 3. Soulage un peu le bas et un peu le haut et on se concentre sur la salle d'abdomen. C'est tout. Voilà, donc pour demain, prévoyez bien deux packs d'eau. On est sur une séance totalement axée bas du corps. Donc, non, pas. On avait dit jeudi bas. Non, on va faire demain bas. D'accord. Demain bas, jeudi haut. Ce sera plus simple. Et puisque sinon, on est niveau 2. Donc, demain bas, jeudi haut du corps et ensuite vendredi, on terminera la semaine par une séance cardio. Ok, ça n'a pas trop d'importance pour vous de faire une bas, une haut, c'est plus pour nous en fait ça. Voilà. On vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, on espère que le confinement entre guillemets partiel se passe bien. Et puis, prenez soin de vous et on se dit à demain soir à 18h. Voilà, ciao, bye. Bisous, bisous. Et on va pas mourir.